un lot d'équipements de protection individuelle de diagnostic et de prise en charge qui s'inscrit dans le cadre de l'offre des Nations Unies à la riposte nationale Covid-19 a été remis au ministère de la Santé. L'intégralité de cette contribution a été fournie par l'UNFPA, l'UNICEF, l'OMS et le PNUD, comprenant entre autres 10 000 tests anticorps, 5 000 combinaisons, 28 000 masques, plus de 15 000 gants, 6 concentrateurs d'oxygène et des centaines de consommables d'hygiène. Nous traversons des moments difficiles, des moments où cette pandémie de la Covid-19 frappe la cité des Comores. Comme vous le voyez avec moi, je suis venu avec des représentants des agents des Nations Unies pour, en tout cas, démontrer à Comores que nous sommes avec le gouvernement pour vraiment apporter une réponse coordonnée. Le matériel que nous donnons aujourd'hui, c'est peu, mais c'est quand même important. Lors de la première vague, nous avons gagné. C'était pas la guerre. Mais nous avons eu des victoires. Et nous étions très très contents. Et nous étions fiers d'en parler. Aujourd'hui, la deuxième vague est un peu plus meurtrière. Et ce qui nous demande également de redoubler d'efforts. Et je voudrais saisir l'occasion pour rappeler à mes amis et à tout le monde ici. Le maximum des gens que nous perdons à Sanda, en Comorien, on dit que c'est Dieu qui l'a voulu. Oui. Mais on a quand même tiré des leçons. Et nos patients traînent énormément. Il faut que nous fassions un travail vraiment de sensibilisation parce que les gens rejoignent le structure de santé tardivement. Et dans ce cas-là, les chances sont trop réduites pour pouvoir les sauver.